Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo assez particulière car on va faire et l'ouverture du colis des éditions Meian et en même temps je vais te donner mon avis sur le titre qui est à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça ensemble, voilà à quoi ressemble le colis et si je le laisse trop près de mon visage ça va me mettre dans le noir. Pas très sympa ça. Je sais pas vraiment pourquoi ça fait planter à chaque fois la caméra, mais bon, bref, toujours est-il, il y a juste un peu de scotch, donc je suis en train de l'ouvrir. Alors, sachez que moi, je sais que je dois le recevoir depuis maintenant plus d'un mois, ce colis. Après, c'était parce qu'ils attendaient forcément la sortie du titre. Moi, j'ai su ça un mois à l'avance, que je l'aurai. Et ça fait donc un mois que je patiente. Et le pire, c'est que moi, j'ai vu hier plein de gens qui ont reçu leur colis Meian pour ce titre. Et moi, je le reçois un jour plus tard. Voilà, donc, en espérant que ça ne m'assombrit pas trop. Alors, j'essaye de faire attention parce qu'il faut rappeler que là, je suis debout et d'habitude, j'étais assis. Donc, assis, quelque chose tombe, c'est pas très grave. Il n'y a rien dedans, ok. Mais debout, c'est un peu plus grave. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ouais, voilà, ça c'est dans ce sens-là. Donc en fait on a et le manga et on avait en bonus un miroir. C'est la première fois que les éditions Meian, si je dis pas de bêtises, font vraiment un goodies à part en dehors d'un marque-page. Et donc là c'est un miroir du manga. Alors je te le mets dans le bon sens. Voilà, hop. Voilà. Je vais l'ouvrir et l'enlever du sachet. Et je vais le garder tel quel, je vais le garder avec son sachet et tout ça. Voilà. Donc, à l'arrière, tu vois que c'est... Voilà. Vous voyez. Coucou. Je sais pas si on voit vraiment que je fais coucou. Si, on voit. Voilà. Donc, on a le miroir et on a aussi le tome. Alors, attends, je vais le poser parce que j'ai un petit peu superstitieux là-dessus. Et donc, on a le manga de... donc, un manga des éditions Meian que j'avais présenté en extrait. Et donc, on va passer maintenant à la partie avis. Je crois que j'avais pas fini l'extrait, mais en fait, quand on lit l'extrait, on n'avait pas vraiment tout. Et Meian avait confiance, enfin, la personne qui gère, avait confiance dans le fait que j'aimerais ce titre. Et donc, m'a envoyé le volume en entier pour que je puisse me faire une idée. Et donc, de base, c'était après, on me l'a envoyé pour la sortie. Et j'avais même fait la vidéo, mais du coup, obligé de la refaire parce que tout simplement, c'était pas fait dans les bonnes conditions, etc. Donc pour ce qui est du manga, je vais te lire le résumé quand même officiel. C'est d'accord, c'est officiel. Alors, je veux que tu restes tel que tu es. Voici un petit ami, le petit ami de Miku lui a toujours dit, faisant d'elle une novice dans le maquillage, bien qu'elle ait 25 ans, néanmoins, comme ils ont projet de mariage, elle compte arrêter de travailler dans un futur proche et pense donc que ce n'est pas quelque chose d'important. Seulement... apparaît un jour devant elle un garçon adorant le maquillage. En fait, il a même une apparence de fille au tout début. Miku est à la fois impressionné et ému par le maquillage que ce dernier a réalisé sur son visage. Mais la réaction de Haru, donc son petit ami, n'est pas du tout celle qu'elle attendait. L'histoire d'une jeune femme qui reprend sa vie en main grâce au maquillage. Donc en gros, les grandes lignes, Miku est une jeune fille qui travaille. À son travail, dans les accueils, dans les centres commerciaux, quand tu t'es perdu ou quoi, tu vas à l'accueil demander des informations. Elle travaille là et donc sa patronne lui dit, ce serait bien quand même de faire un peu plus d'efforts au niveau du maquillage, d'avoir un maquillage un peu plus présent, voyant, etc. Donc au tout début, on la voit se maquiller un peu plus avec un rouge à lèvres un peu plus visible. Et son petit ami lui dit, non, j'aime pas du tout, ninina. Et puis, c'était au tout début un peu sous-entendu de, ouais, j'aime pas trop, t'attires l'attention, etc. En fait, on va très très vite découvrir dès le premier chapitre que son petit ami, en fait, a un comportement dit toxique avec elle. Il veut tout simplement la contrôler, il veut gérer tout ce qu'elle fait, etc. Et donc on voit bien aussi qu'il veut se marier avec elle, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et on va rencontrer donc Yves. Alors ça s'écrit E-V-E, mais ça se dit Yves comme Yves Saint-Laurent. Voilà, c'était un peu dit comme ça je crois dans le livre, enfin dans le manga. Et donc elle va rencontrer Yves. Au tout début, elle va croire que c'est une femme due à son apparence. Et... j'ai vu juste avant la vidéo.
Et donc, en fait, tout simplement, il va au départ avoir une apparence dite féminine, elle va croire que c'est une fille, et il va la protéger quand il y a un mec qui est en train de la draguer lourdement. Enfin, Eve en femme, donc je vais dire quand Eve est en femme, je vais dire elle, et quand Eve est en homme, je vais dire il, parce qu'on ne sait pas encore vraiment ses pronoms, tout ça, tu vois. Donc, Eve, elle intervient, elle protège du coup Miku de se faire harceler par un mec à son travail. Elles vont se revoir du coup. Une fois le travail fini, elle va passer en fait le soir, elle va recroiser Yves et donc ils vont aller acheter un rouge à lèvres ensemble, ce qui ne va pas plaire à son chéri. Quelques jours plus tard, elle revoit Yves et Yves veulent, je crois, non, je sais plus dans quel ordre c'est, mais Yves maquille aussi Miku et donc là, le petit ami, on va bien voir à quel point il est toxique parce que il va lui dire qu'elle est laide, qu'on dirait qu'elle s'est mis de la boue sur le visage, il va lui verser carrément une bouteille de, je crois que c'est la lotion biphasée, enfin bon, une lotion pour démaquiller, grosso modo, etc. Donc on va vite comprendre en fait que son petit ami est toxique et que Yves, par contre, est quelqu'un de très gentil, très bienveillant, etc. Il n'a aucun geste déplacé, c'est pas parce que c'est un homme qu'il va avoir des gestes déplacés envers elle, absolument pas, et c'est ça qui est agréable. Donc du coup, ce que j'ai surkiffé en fait dans ce manga, c'est ce mélange, parce que tout simplement, autant le petit ami m'a fait penser à mon ex qui me choisissait clairement mes tenues quand je sortais, etc., qui a été à l'époque où j'avais une apparence de garçon seulement, donc je n'avais pas tout ça, ni les cheveux colorés, ni maquillage, ni rien. Il décidait de ma tenue par rapport à où on allait. Il disait même à ses potes à lui que j'étais une fille parce qu'il n'acceptait pas le fait d'être en couple avec un garçon, etc., etc. Donc du coup, ben ça m'a fait donc le petit ami de Miku m'a énormément fait penser donc à mon ex et en même temps et cette Miku et surtout Yves me faisait penser à moi-même. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai su apprécier et j'ai vraiment aimé du coup l'univers qu'on a vu à travers le maquillage et aussi le montrer que le maquillage ça peut être soit pas le choix pour le travail, etc. Et il y a quand même un minimum à avoir. Et le maquillage fait pour soi, pour se faire plaisir, pour se rendre heureux, etc., etc. Où on voit bien que Yves, par exemple, va nous le dire. C'est pas un spoil, mais Yves va nous expliquer que, par exemple, il va faire attention à ce qu'il y ait des paillettes ou quoi, selon sa tenue. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai un t-shirt noir, hein, c'est juste une... Voilà, c'est juste une console achetée à Kiabi au cas où, mais il y a déjà quelques mois, enfin cette année, mais bon. Et ben, je vais avoir des accessoires noirs, etc. Je vais me maquiller avec du rouge à lèvres noir, avoir un côté plus dark au niveau de mon style vestimentaire. Et que Yves est exactement comme ça, c'est-à-dire que le lendemain, tu peux le voir avec un rouge à lèvres rouge, une tenue avec du rouge, des fleurs, etc. Exactement comme moi. Donc, du coup, c'est ça que j'ai su énormément apprécier en ce qui concerne le manga et le personnage. Ce que j'ai aimé aussi, c'était le côté du mec toxique. Qui veut décider à la place de sa femme? Parce que à un moment donné, il nous montre bien qu'il veut vraiment absolument tout contrôler. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce manga. Donc là où j'avais dit que personnellement je voulais passer mon tour en ce qui concerne le manga en soi, en fait, en lisant l'intégralité du tome 1, précisons, et ben j'ai eu un giga coup de cœur. Alors je n'aime pas dire giga coup de cœur normalement quand. Je n'ai lu qu'un seul tome et pas une intégralité, mais soyons honnêtes, j'ai vraiment apprécié l'intégrale et je vais juste faire une petite coupure. Je vais prendre mon téléphone et je vais te lire ce que j'ai pu envoyer à la personne qui m'a des éditions Meiyan pour te lire en fait ce que je lui ai dit à la fin de ma lecture. Donc je viens de retrouver le passage de ce que j'ai envoyé à Meiyan. Donc au départ, je lui dis juste que je suis à la page 103 à un moment donné au manga et que du coup j'avais déjà apprécié ce que j'avais lu. Ensuite, j'ai fait. La personne de Meiyan m'a dit, je pensais que tu comprendrais mieux le thème abordé en lisant le tome en entier. Moi, j'ai répondu, effectivement, bien joué. Haru et Miku me rappellent moi du passé, donc Haru est le petit copain, et Yves est mon moi actuel. Mais du coup, j'adore. Une fois avoir fini, la tête de choquée. Ok, on est sur un giga coup de cœur, soit la meilleure note. Et j'ai mis 4 applaudissements tellement que j'ai kiffé le... Voilà. Et après, j'avais juste demandé s'il voulait que je fasse mon avis la veille de la sortie, à l'époque où il devait sortir il y a plus d'un mois, ou s'il voulait que ce soit le jour même, etc., pour savoir comment vraiment faire au niveau de ma vidéo, parce que j'aime bien quand je suis en collab comme ça avec une maison d'édition, surtout en ayant lu le tome avant la sortie, si la maison d'édition préfère un jour avant, 2 jours avant, le jour même, etc., on peut avoir des préférences, donc je préfère toujours demander. Et là, c'est ce que j'avais fait.
Donc voilà en ce qui concerne vraiment mon avis sur le manga. Donc cette vidéo sur le manga Makeup White Mode, si je ne me trompe pas parce que là j'ai le titre à l'envers, est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire si toi il y a eu un manga où comme ça tu as lu l'extrait, tu t'es dit peut-être pas, et qu'au final en ayant lu le tome 1, tu t'es dit ok, j'adore. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma précédente vidéo Meiyan, ma playlist, la tête de panda pour t'abonner comme d'hab si ce n'est toujours pas fait, les comptes des réseaux sociaux, mon Vinted dans la barre d'infos, le lien vers, déjà tu auras le résumé du manga, plus le lien vers mes codes promo pour pas mal de sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!